Coucou les amis, et oui, je suis le clone numéro 4928 de Monsieur K. Ah, on en a passé des clones où ça? Je vais vous faire voir tout de suite, vous allez comprendre. Vous avez pas reconnu la musique? C'est fou. Coucou, c'est moi donc. Journée to the Savage Planet, on y retourne. Pourquoi? Parce que je l'aime ce jeu cul diable. Il me fait rigoler. Et du coup, bah, je me suis dit, tiens, une extension, j'aime pas les extensions. Je ne cède jamais aux extensions. Et bah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cédé. Enfin, pas moi, le clone précédent. Mais il en est mort d'ailleurs. Ok, bah, bienvenue avec moi. Et on va retourner sur une planète. Pourquoi je dis une planète? Non, c'est pas ARY26, ma planète. Elle est trop bien d'ailleurs maintenant. Je vous la ferai pas voir tout de suite. On va aller sur une autre planète apparemment, parce qu'on a besoin de moi. Elle était juste à côté, et on m'a dit, bah, plutôt que de glander sur ta planète, à tourner en rond, à faire le nabab, pourquoi t'irais pas toi ou un de tes clones sur cette nouvelle destination qui va te plaire beaucoup, on en est sûr. Alors j'espère que mon ordinateur de bord est autant en forme que moi. Adieu Cormou et bienvenue Là mon boss. Ne vous contentez pas d'abdos. Choisissez les méga super abdos taillés au GPDB. Musclez vos abdos jusqu'à l'ultime limite. Avec le système Je sais pas si c'est une bonne nouvelle qu'ils aient encore ajouté des pubs. Mettez le Core Jacker et laissez-le vous infliger ces exercices précis et violents d'abdos fessiers à chacune des sous-zones abdominales. Y compris dans les zones difficiles à isoler, comme les semi-abdos inférieurs à mi-côte et les quasi-tendons centraux extérieurs inférieurs. Fixez simplement le Core Jacker à votre abdomen pour déclencher l'abdoplosion. Oubliez le 6-pack, oubliez le 8-pack, essayez le 14-pack, jusqu'à 32. Enchaînez super rapidement plus de 5000 séries d'abdominaux sans effort, grâce à vos nouveaux méga abdos surstimulés. Vos abdos durs comme l'acier résisteront au coup direct, au bal, et même aux armes laser haute énergie. Dites adieu à votre corps mou avec le Core Jacker GPDB, système de sculptage d'abdos massifs de PowerDeal. J'ai demandé à Martin de m'en envoyer un parce que le confinement ça m'a pas réussi et je dois avouer que ma ceinture abdominale qui était faite de houblon, c'est encore empiré. Martin, au lieu de m'envoyer ça, envoie-moi ça. Ça a l'air super bien pour ce que j'ai. Bon, si on allait s'enquérir un peu du courrier. Ah, toujours aussi rapide hein, cet engin. Bon, ma grosse chance c'est qu'il plante pas souvent. Il démarre lentement mais il plante pas souvent, comme un vrai PC quoi. Oh, je n'ai pas de nouveaux messages, j'ai juste les vidéos, et les vidéos ce sont toutes nos pubs qu'on a vues. Il y en a encore d'autres. Je vous les ferai voir plus tard si vous êtes sage, puisque je vais les découvrir en même temps que vous, et ça risque de me faire drôle, si elles sont du même niveau. On va vite aller sur cette planète. Ah oui, j'ai une mission, les amis. Il faut que j'explore la décharge toxique. Comment ça, je ne sais plus m'orienter dans mon propre vaisseau. Pour la peine, je vais vous faire un bruit de téléporteur, tiens. Attendez. Pas que je me trompe. Voilà. Température ambiante, 33 degrés Celsius, biomarqueur le minou. Et donc, bienvenue à Boomerdale, l'endroit du turfu du passé. C'est facile à exprimer autrement, mais on veut bien dire la même chose. Qui apparemment va être un petit astéroïde qui va être utilisé comme maison de retraite. Oui, tous les vieux vont être évacués de la Terre pour que ce soit une planète jeune, dynamique et pleine de comment on dit déjà? De croissance. Et du coup, bah, les vieux, il n'y en a pas trop besoin, c'est encombrant. On n'a pas le droit de les tuer, donc, bah. Welcome to Boomerdale. Oh oui, ça va être magnifique. Si je reprenais nos petites affaires. Avec cet objectif qui me tend le curseur à 239 mètres. Oh, de nouvelles créatures, on va les appeler les pompompons. Oui, parce qu'ils sont pas du tout de la même couleur que ceux qu'on avait avant. Oui, oiseau globe tropical. Bah, moi j'appelle ça des pompompons, c'est plus rigolo.
Alors je vous rappelle que dans le jeu, on est là pour tout scanner, histoire de remplir sa database, pour que le patron soit content, vu qu'on a tout scanné. Et puis ça déverrouillera peut-être des choses, allez savoir. Vous savez quoi? Je viens d'être décryonné génisé, parce que oui, j'ai fait un long sommeil depuis les précédents streams, et j'ai qu'une envie, c'est mettre une baffe là-dedans. Oh, que ça fait du bien! C'est toujours aussi plaisant. Oh, il y a une espèce de ruche là-bas, j'ai l'impression. Alors, une des particularités du jeu, c'est qu'il a toujours pas de. Ah, je crois qu'il m'a repéré, il est pas content. Eh oui! Fou, fou, c'est pas passé en gros. Ah, mais il a un truc qui te protège cette fois. Comment je vais faire pour le flinguer, lui? Ça va être pénible. Ouais, je vais me barrer en fait. On va pas être pote. Ah, lui, c'est un classique. Ça va. Bah, ça va, ça va, ça va. Si je continue de faire le con, ça va pas aller longtemps. Ils sont deux. Deux contre un, c'est dégueulasse. Et en plus, j'ai les moucherons. Oui, je vais faire un carnage pour célébrer mon arrivée. Je veux que tout ce monde soit festif. Bon, si je l'ennuie pas, il va pas m'ennuyer, logiquement. Ou logiquement, était peut-être de trop court, pas. Ça a super mal se passer, je me rappelle plus du tout des commandes. Je vais avoir de la peine, je vais avoir de la douleur, je vais avoir plein de trucs désagréables. On va foutre le chaos hein, pour célébrer l'arrivée, c'est important. Oh, elle a pété juste à côté de moi, c'est moche. Oui, t'es gentil, oui, t'es gentil, pas de bisous. Non. No more bisous. Ah, toi non plus! Ah, ils sont toujours aussi pénibles à viser, les bougres. Et ça va être une sinécure. Oh, ma vie, elle est toute naze. Faut vite que j'aille chercher du miam. Ah, si j'en ai le temps. C'est pas garanti. Hein. Ah, le miam a disparu. Conne de plante. Conne de plante débile, idiote, stupide, bête, moche. Je vais mourir à peine arrivé sur cette planète, les amis. C'est moche, c'est laid. Ça n'arrivera pas aujourd'hui. Je ne veux pas. Ah. Oui, on va commencer à viser un peu, hein, c'est là. Ah! Ce flingue, c'est toujours une misère. Regarde-le, l'autre malin. Je vais crever. Je vais crever de la manière la plus pathétique qui soit. Vu que je n'ai plus d'énergie, j'ai plus rien pour me recharger. Je suis la tristitude. Il me reste une barre de vie, je me casse. C'est pas très glorieux, mais que voulez-vous? Quand ça démarre mal, on va pas inventer des trucs. Il me suit? Ah, j'ai encore les mouchillons qui m'attaquent. Il me reste un truc de vie. Je suis tristitude. Je suis revenu à mon point de départ et j'essaie de trouver de la life. Si ça, c'est pas laid, si ça, c'est pas moche, si c'est pas indigne d'un super gamer comme Monsieur Cash, je sais pas ce qu'il faut comme adjectif. Ou comme qualification. Ouais, une partie qui débarque bien mal. Ouais, si je m'éloigne trop, il va me remettre les. Ouais, je retrouve juste de la santé. Ah bah ça a repoussé, ça tombe bien. C'est la good news du jour. Alors je me rappelle plus ce que j'ai comme arme. J'ai ça. Et puis voilà, débrouille-toi mon garçon. Ne l'énerve pas. Ne l'énerve pas. Il va encore être tout fufu, il va être tout rax. Hop, hop. Il te reste un demi-point de vie. Okay.
va se balader un petit peu. Hein. Alors, faut savoir qu'il y avait quand même pas mal de choses à déverrouiller pour les gens qui avaient envie de faire un 100% sur la précédente partie du jeu. Il reste une ruche, je la vois pas. Ah si, là voilà. Il y en a encore plein en fait. Ok, d'accord. Et il faut savoir que sur la précédente partie du jeu, si vous faites un 100% et vous déverrouillez absolument tout, bah, vous avez accès à des nouvelles fonctions qui sont pas mal, notamment le quadruple jump, des armes hyper boostées, chose que je n'ai pas, et c'est peut-être pour ça que j'en ai un petit peu bavé là pour me faire les oseaux. Poussez-vous les piafs. Oh, des nouvelles plantes. Et du coup, je sais pas trop où je m'aventure, si ça va être plus difficile que la moyenne, puisque je n'ai pas pris soin de faire un 100% sur la précédente partie de Journey to the Savage Planet. Mais peu importe, j'ai mon IA Tabernacle, qui ne manquera pas de me suggérer de bonnes choses à faire. Et... Non mais j'hallucine, on dirait Viper Industries. Pff, ah, c'est les pires, là. Ils s'habillent en mauve. Ils sont amateurs d'or martiaux mixtes, mais genre vraiment amateurs. On va tourner un peu avant d'y aller parce que je suis super curieux quoi de voir ce qu'ils nous ont mis comme conneries. Parce que si vous n'avez pas vu un seul des streams consacrés à Journey to the Savage Planet que j'ai fait, vous avez quand même raté des grosses tranches de rire. C'est ce qui fait partie du jeu. Le rire, c'est une part non négligeable hein, de ce titre. Alors du coup j'ai plus mes... Eh oui, j'avais des grenades, des trucs comme ça, faudrait que j'en récolte peut-être, ce serait bien. Qu'est-ce que c'est cela? Dégueulasse! Regarde ce qui est arrivé à ces petites choses! Maintenant on dirait des petites boules de mucus et de gaz! Ils sont plus costauds, hein, je confirme. Ok, c'est sûr que c'est Viper. Je vais informer Kindred. Regardez-moi ces proutes ambulants. Alors, j'aurais dû en garder quelques-uns car cette plante, vous savez très bien ce qu'elle fait. Cette plante, vous savez à quel point je l'aime. Vous savez à quel point elle me fait rigoler à chaque fois. À table, il est l'or, mon seigneur. Je vais pas m'en remettre de la soirée. Au clutch. Alors, faut que je fasse attention dans quoi je marche. Qu'est-ce qui se passe avec ces trucs? Hey! Vous le savez que je vous vois là-bas. Vous faites quoi? Vous vous promenez sur cette belle planète? Ok, c'est cool. C'est cool. C'est toute qu'une planète, ça c'est sûr. Mais si ça vous dérange pas, j'aimerais ça que vous me laissiez tranquille. Moi, je suis là sur cette falaise, tranquillement installé dans une caisse. J'imagine qu'on pourrait dire que je suis la caisse. En tout cas, pas de promenade. Mais approchez-vous pas de moi. Il y a des morceaux de moi qui traînent dans le coin, c'est bon. Vous pouvez circuler maintenant, merci d'avance. Oh non, c'est Chronos, des IA commercialisés par Viper Industries. Ils nous battent dans les sondages globaux intergalactiques depuis plus de 10 ans. Insupportable. Fait comme si de rien n'était. Hein? On dirait un téléporteur de Kindred? Ben oui! Echo! Comment ça va? Ça fait longtemps. Je vais mettre un copain par là. Comment ça se passe avec ton tas de viande? Il est toujours en vie, on dirait. Oui. Chronos, il est juste là, en train de nous écouter. On peut toujours passer sur un canal crypté, si tu préfères. Non, Chronos, ça va aller. Gardons ce débris, ok? Regardez-moi, okay, Mr. Fanny. Je comprends. Mais pendant que t'es là, peux-tu dire... Yep! Merci, bonne journée. Ignore-le. J'attends encore les instructions, mais en attendant, je vais voir ce que tu peux trouver dans le coin. Je te contacte dès que j'ai des nouvelles.
Bon, me voilà équipé à nouveau avec tout ce que je voulais. Ça ressemble à du caca extraterrestre, puis toi, tu les ramasses. Bon, remarque, on pourrait s'en servir comme colle naturelle. Vous les lancer, non? Just last night, I was lost in the jungle with Pitfall Harry, surrounded by giant scorpions and man-eating crocodiles. Well, Harry and I just grabbed the van, swung through the trees, and over the tar pits and found the jungle treasure. It was really neat. If you haven't met Pitfall Harry, you're missing the year's most incredible video game adventure. Pitfall for the Atari 2600 and Intellivision. Since I met Pitfall Harry, no other man will do. Pitfall, designed by David Crane for Activision. Monsieur Kahn, toute sa splendeur, bravo. De toute beauté. Ah, qu'est-ce que c'est? Hé, hey, regarde ces boules de gaz bizarres. Ou de liquide. On va jouer à Dreams. Ouh là là. Mais que t'es moche, mais que t'es moche, mon pauvre. Oh là 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 là. Je sens qu'on n'a pas fini de rigoler avec celui-là. Donc j'ai un truc à 1189 mètres et mon objectif est plutôt en retour à la base. Non, pas tout de suite. Je vais aller voir ce truc loin. Je suis très curieux. La curiosité tue. Je suis comme les chats. Aucun regret, aucun remords. À moi l'exploration pure et dure. La possession, c'est 90% de la loi. Oh, ça veut dire... Ah, les nouvelles bestioles. C'est peut-être vous autres qui avez acheté cette planète-là, mais c'est nous autres qui avons mis des trucs dessus. Non. Fait que c'est à nous autres maintenant. Ah, qui c'est qui m'a... Mais qui m'a... Ah, diable. C'est ces damnées bestioles que je supporte pas. Elles sont toutes petites, elles sont ridicules. Mais elles vous foutent un bronx. Ouais, je trouve la ruche pour te mettre emmerdé. On va faire un jump. Wouhou! Bon, là j'ai clairement plus qu'un objectif à 329 mètres, faudrait essayer de monter là-haut. Ah, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, nous. Je me doutais que t'étais pas tout seul. Les Pinky, c'est les plus méchants. Aïe aïe aïe, tu les appelles les Pinky. Parce que il pue. Et donc le Pinky pue. Ah, les vieux comprendront. Regardez ce que je viens de trouver, regardez ce que je viens de trouver, si c'est pas formidable. Un appareil dispendieux qui permet de faire plein de choses, vous avez pas idée. Je donne plus trop de fiabilité pour mes prochains clones. Je ne m'engage à aucune garantie. Ça doit être juste une illusion, je présume. Ah, ça bave au-dessus, c'est bizarre. Alors, regardez-moi les. C'est les Fiantos. Oui, je les appelle n'importe comment, ces animaux. Les Fiantos. Des poissons volants qui vous chient dessus quand vous passez dessous. Et c'est super acide ce qu'ils font. Ouh là, je suis où là? Là, j'ai pas le droit d'y aller. Pression, mais si tu t'en vas pas maintenant, il y a des bonnes chances que tu meurs. Bien compris, chef. Avec la base de données de Kindred, je pense pouvoir améliorer ta combinaison pour qu'elle puisse filtrer cette nouvelle toxine aéroportée et extrêmement virulente si tu me ramènes quelques échantillons. On va voir ce qui se trame dans le journal. Étrange saleté, retourne à l'enclos pollué. Ok. Ok. Bon, pour l'instant, on va suivre notre curseur connement. J'ai fini en gros mon exploration, on va voir ce qui se passe. Je vais faire mon petit jump amorti à la dernière seconde. Bon, j'ai le talent, maintenant. Et puis, on va voir ce qui se passe. Hein. De scanner, faudrait peut-être que je me débarrasse de... Ah, cette saloperie. Je savais qu'il y en avait dans le coin.
Touch. Alors j'aurais dû regarder où allait le câble, ça m'aurait peut-être bien aidé. Mais je suis trop pressé, trop de choses à faire en même temps. Et là maintenant j'ai trois curseurs en même temps. Mais on va suivre le principal, le jaune. Non, sans avoir préalablement essayé de choper des bonus. J'aime pas le sable. C'est grossier, agressif, irritant, ça s'incruste partout. Est-ce que j'ai encore mon grappin? Ça, c'est une bonne question. Dame, yes. Des cartes postales? On dirait des reliques d'une boutique de souvenirs de chez Kindred. Attrape-les toutes. Ça y est, ils ont mis le syndrome Pokécon. Aïe, 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 aïe. On n'est pas arrivé avec tout ça, les amis, je vous le dis en vérité. Les agiter, on va les laisser se faire péter la gueule avec ça, hein. Ce sera plus drôle. Hop là, là, cadeau. Hop là. Bah ça fait moins les malins là. Assure que ça fait moins les malins. Ça se récupère ça? Y'a pas quelqu'un dedans? Vous êtes sûr? J'ai des doutes. Je l'ai bien tarté, hein. S'il y avait eu quelqu'un dedans, je m'en serais rendu compte. Oh, regardez-moi ça, encore une carte à collectionner. Ah, je crois que je suis en train de me noyer. Oui, on n'avait pas eu d'eau hein, dans laquelle on s'était vraiment baigné dans le précédent épisode, c'est assez rigolo. Et maintenant, on va essayer de retourner à notre objectif premier, puisque j'arrête pas de tourner autour, de parler, d'explorer, et tel le gamin me régaler, bien sûr. Comment ça, ça passe pas? Ouais, non, mais je vais faire de la varap, hein. Je suis en mode Yamakasi aujourd'hui. Hop là. Alors, nager, c'est pas trop mon truc. Hein. Ouais, je pouvais passer dans le tronc, mais vu que je suis Monsieur K... Toujours faire compliqué quand on peut faire simple, sinon c'est pas drôle. Alors il faudrait que je me débrouille avec mon saint grappin à me démerder à monter tout là-haut et ça va être chaud chaud hein. Parce que celui-là il veut pas, celui-là il veut vraiment pas quoi, il est vraiment haut. Et j'ai celui-là qui est accessible. Mais. Oui, il y a toujours un mais. Il va falloir trouver un moyen judicieux de monter jusque là-haut. Est-ce que j'ai des graines? Je vais en avoir besoin. Oui, bon. Ah bah ça c'est une bonne nouvelle. Alors logiquement, en passant là-bas. Oui, j'ai déjà fait une petite reco. Puis ensuite, en passant là. C'était un peu le limite. Et on enchaîne ici. Hein, vous suivez jusque là. Là. Plotch. Elle est pas belle la vie. Pourquoi je peux pas le grappiner? C'est pas cool. Je me rappelais plus qu'il fallait être aussi agile, quoi. Ah, et là, je l'ai, quoi, les amis. Oh, le vie. Ce fut de toute beauté. Regardez-moi ces cercles. Alors, si je me casse la gueule, je crois qu'il va falloir tout refaire. Alors ça, ça risque d'être super gavant, parce que je découvre avec vous ces cercles. Qui sont une nouvelle fonction et qui vont pouvoir me permettre de jouer à Dreams sans Dreamcast, sans Saturn, sans le jeu quoi. Bah oui, regardez, ça a l'air d'être fait pour. Donc, description de l'engin. Nous pouvons voler à travers ces poches de vapeur de carburant concentré afin de remplir notre jauge de vol. Ok? Ok. Je l'ai pas analysé ça. Yeah.
Mais non, c'est des parasols de plage, regardez. Ça, je me fais gober la tête. Donc, je suis super entraîné à ça. Ok. Vous êtes prêts? Je sais pas où on va. Faudrait qu'on aille en face, là. Ça a l'air vachement bien. Première tentative, go. Oh, ce bleu flotta a boosté les propulseurs de la combinaison. Échec. Alors, gros échec, quoi. L'échec qui fait mal. Qui m'agresse? Oh, les chauves-souris, ça va pas recommencer. Moi, je vais faire le ménage comme ça, à coup de trucs qui pètent, là, j'aime bien. Alors, j'en ai un à cette hauteur pour m'entraîner, c'est pas mal. Ouh là là, mais j'ai plein de trucs. Pas la langue, on a déjà dit. Not the tongue, vous allez rester collés, les gars. Je vous le dis tout de suite. Ah, 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 gros. On n'a pas idée de mettre la langue comme ça, quoi. On se connaît pas. Ah non, ce. Il y en a beaucoup d'éveil. Ouais, il y a encore un truc à faire péter là-haut, ça va être terrible. Apparemment, c'est fini, c'est calmé. Ou alors, il en reste juste un, mais je vois pas où il est. Ok, alors je suis tombé, mais la bonne nouvelle, c'est que je suis tombé à un bon endroit. J'ai pas encore visité. Et je vais m'entraîner avec ces trucs-là, parce que j'ai absolument rien à compris. Il est où? Je savais qu'il en restait un. Starnak. Donc laissez-moi faire ma manip. Ouh là là, l'atterrissage va être sauvage. Je vais essayer d'aller en face. Ouais, on va faire ça. Oh, c'était limite. Oui, ça a dû s'entendre, la façon dont j'ai fait le petit toutou. Ah. Je regarderai plus tard dans le journal. Je pense que les cartes doivent être assez bizarres. Chose de bien ramasser. Et on va essayer d'activer ce truc. Oui, c'est un téléporteur, mais il est orbille. Hein. Et puis, je vais voir s'il n'y a pas d'autre chose à faire. Si, il y a le truc en dessous à briser, mais il faudrait que je trouve des grenades explosives. Là, je vais pas m'en sortir avec ce matériel-là. Où c'est que je pourrais repérer ça? Ah, mais il y a un tout petit passage, là, regardez. Je n'ai pas vu du tout. Oh, non, notre Zeus. Ah, ultra dégueu. Qu'est-ce que Viper fait? On dirait qu'ils donnent toute leur cochonnerie ici. Un petit robot ménager. Regarde ces petites nageoires et cette espèce de taser bizarre sur le devant. Ouais, ça va pas être cool, ça. Comment ça réagit, ces trucs? En plus, il y a de l'acide de partout. Et j'ai toujours cette vieille pétoire qui met 10 siècles à se recharger. Bou 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 bou. Et je dois aller où, moi? À 30 mètres, droit devant. Aïe 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 aïe. Là-bas dedans? Non. Non. On va essayer de contourner le problème. Hein? Dans un premier temps. Ça pourrait être sympa. Oula. Ah, il se passe quoi? Il se passe des problèmes. Bon, ça c'est quoi? Pourquoi? Bon, ça finit par péter, c'est la bonne nouvelle. C'est pas foncièrement méchant, mais je suis pas ami avec un robot, je vous le dis tout de suite. Je vais me le faire péter à la gueule, celui-là, ça va être
moche. Mais, ce sont les risques du métier, hein, les amis. Quoi? J'ai plus le... Ah, ça va faire mal. Je me le suis bien fait péter à la gueule, mais au moins j'aurai ce dernier truc qui me manquait, qui était exactement celui qu'il me fallait. Bon, là c'est assez. J'envoie les troupes là. Admirez le drone prédateur Viper. Son bouclier est insensible à votre ridicule laser blaster. Ah, les boucliers. Faut que tu les désactives si tu veux les détruire. Non. Ça va être chaud chaud, les amis, je vous le dis. Alors comment faire que je me débrouille pour ça? Parce que ça, ils ont pas l'air de... Ils doivent s'en foutre de ça. Ah, quoi que je crois qu'il l'a senti celui-là. Mais moi aussi, ah, il me faut de la life. On dirait que ce bouclier, il s'affaiblit pas. Il est croqué de là. Explose-le, il a explosé. Crampe-le dans l'acide. Ah, en parlant d'acide. Ah, faudrait pas que je crève maintenant, il m'en reste un. Ah, c'est le moment du drame. C'était pas la grosse affaire, mais t'as fait ton possible. Exactement. Ha ha ha.